Salut, c'est Mogi. Salut, c'est Aspirateur. Salut tout le monde, c'est Yugad. C'est Yugad ? Oui. Donc pour Alex Kidd in Miracle World. Donc jeu sorti, c'est marqué de toute façon en 1986, un jeu édité et développé par Sega. Donc à l'époque où il se cherchait encore au niveau des mascottes, donc à la base ce Alex Kidd, comme on l'avait déjà dit dans l'émission, l'espèce d'émission débat qu'on avait fait sur l'évolution des héros de notre jeunesse, ou même sur la vidéo du Alex Kidd sur Mega Drive qu'on avait fait, donc le Alex Kidd in Enchanted Castle. Et donc que moi j'avais personnellement, mais en revanche cet épisode là je ne l'avais pas vraiment, donc j'ai déjà joué vite fait avec la Master System à la SPI, mais bon voilà. Et voilà, donc on joue ce fameux Alex Kidd, donc celui qui aurait dû, enfin non, celui qui aurait pu être, je répète ce que je dis, qui aurait pu être le héros donc de la firme Sega. Donc encore heureux que Sonic soit arrivé par là, parce que faut dire ce qui est, là, le héros a un charisme proche du néant, donc Alex Kidd. Donc le jeu était sympathique, même celui sur Mega Drive était sympathique, mais le héros, qu'est-ce qu'il est laid, putain de merde. Franchement, heureusement que Sonic est passé par là, franchement, très sincèrement. Je sais pas si c'est ce que tu es d'accord avec moi, Yuga. Ouais, enfin moi je le trouve mignon, mais en tant que mascotte ça l'aurait pas fait du tout, parce qu'il a des oreilles énormes, des mains énormes et un peu une tête de con. Mais parfois je trouve que ça passe, je trouve que il est petit mignon Alex Kidd, oh là là. Oui mais Mario est mieux. Ouais, mais Sonic est 40 fois mieux, 40 fois mieux, ça Sonic, c'est indéniable. Pour le voilà, en tant que mascotte de Sega, Sonic est vraiment vraiment mieux quoi. Bon, ça n'empêche pas que le jeu était sympathique, la musique elle est super culte, la musique du jeu qu'on retrouvera aussi dans la version Mega Drive, dans l'épisode Mega Drive. Et d'ailleurs sur certaines Master System le jeu était intégré à la console, c'est pour ça qu'il est devenu assez connu à l'époque. Oui voilà, c'est pour ça aussi que beaucoup de monde a pu y jouer. Oui bah d'ailleurs oui, c'était le gros truc de pub de Sega avec ça, parce que avant qu'il soit intégré il y avait Hang-On qui était intégré au Master System, parce que dans ma Master System il y a Hang-On justement. Et moi ça fait partie des jeux de ma naissance, parce que quand je suis né mon père était un grand fan de jeux vidéo, enfin un grand fan, il aimait bien les jeux vidéo, il s'était acheté une Master System et il y avait Alex Kidd en cartouche que j'ai encore à la maison. Et c'est d'ailleurs en plus c'est assez rare maintenant de trouver des gens qui ont des cartouches d'Alex Kidd vu qu'il est intégré dans la console, beaucoup de personnes l'ont eu comme ça. Donc c'est vraiment un jeu très très kiffant. D'ailleurs le gros truc de hardcore du jeu, c'est sa difficulté. Où vraiment c'est, si jamais vous avez pas envie de péter des manettes, c'est mort. Si jamais vous avez envie de rire sur des chara-design immondes de mecs qui ont des têtes en forme de main, bah là vous pouvez vous lâcher. C'est immonde c'est l'ennemi. Je le trouve vraiment immonde, flippant. Il est répugnant. C'est presque une créature qui pourrait apparaître dans le labyrinthe de Pan. On dirait vraiment un typiquement le style de monstre qu'on pourrait retrouver là-dedans. Oui, non, mais il est immonde. Mais même Alex en lui-même, il est très très moche avec ses roues flaquettes et tout ça. Énorme. Oui, il a des mains énormes. Surtout quand il met des droites, il est très très il est très chelou en fait comme perso. Donc là, par exemple, vous pouvez voir ce qui faisait l'origine, la grosse originalité du titre, c'est les parties de Shifumi en fait, de Junkun Step dans la version Mega Drive, il le dit, mais pas là parce que c'était pauvre, c'était la version d'avant. Donc il fallait choisir en fait ce qu'on voulait faire, enfin l'action qu'on voulait faire et le balancer. Et voilà, pierre feuille papier ciseaux quoi, c'est tout le monde connaît. Oui c'est pareil, oui. Arrête de m'embêter toi. Oh. Donc là pour vous faire voir sur la partie, on fait plein de d'égalité et c'est vraiment flippant parce que si jamais on perd une vie et des vies, on en a deux ou trois pour finir le jeu et c'est tout. Il y en a qui sont très très durs à trouver dans les niveaux et c'est vraiment, faut vraiment avoir de la chance. Ouais, ce qui était aussi super galère dans le jeu, ce qui est si accentué la difficulté du jeu, c'est que si t'as par malheur, c'est parce que justement pour buter les ennemis, c'est en général avec tes points. Même si je m'en souviens plus, si c'est un celui-là, tu peux récupérer quelques petits items, genre qui fait que t'as genre une espèce de boule de feu ou je ne sais quoi. Non, y'a ? On le voit. Oui, oui, ça on le voit d'ailleurs. Ouais, y'a ça parce que je sais que dans la version de la Mega Drive, il y avait. En tout cas, si par malheur, donc lorsque tu n'as que le point pour te défendre, lorsqu'il fallait affronter un ennemi, genre un gros ennemi par exemple, si par malheur tu te retrouvais sur un petit pixel mort qui fait que le programme pour lui calcule le fait qu'il y a un ennemi, même si à l'œil nu pour toi il n'y a rien, si tu dépasses d'un millimètre sur le monstre, tu meurs, parce que lorsque tu as le moindre contact sur un monstre, tu meurs immédiatement, tu perds une vie. Donc là, si par exemple on va dire que la spie là, pendant sa capture, il veut buter un hippocampe et qu'il se trouve à un millimètre de trop près de l'ennemi, et hop, il meurt.
Et c'était super frustrant ça. Et des fois on se disait, mais putain, je l'ai pas touché! Mais putain, je l'ai pas touché! Et effectivement, ça arrivait que des fois on le touche pas, parce que juste parce qu'il y avait un petit pixel mort ou je ne sais quoi, qui fait qu'on le touche. Et ça, c'était super gonflant. Il est immonde là, la pieuvre. Elle est très moche, mais au niveau du genre du coup dont tu parlais, il y a l'inverse. Tu veux taper un ennemi, et en fait, t'es à un pixel de le toucher, et bah tu le touches pas en fait. Donc tu t'excites parce que ton point touche l'ennemi visuellement, mais au niveau du programme, il le touche pas. Donc c'est très très énervant. Et ça, il y a beaucoup de moments frustrants comme ça dans l'Exkid. Et ce qui fait que le jeu est très très difficile. Il est moche, le poisson. Le poisson, il est vénère. Et non, mais le bestiaire. Le bestiaire, il est immonde. C'est objet qu'à l'Exkid, il a été voir un psychologue après. Il a parlé de ses problèmes, qu'il a vu des monstres immondes. Une pieuvre avec une énorme tête, un poisson qui vénère. Et il a vu. J'ai vu des boules. Et je trouvais de l'argent en me baladant dans une prairie. Et objet, je voyais un mec avec une tête en forme de main. Je faisais pierre, feuille, ciseaux. C'est gris, ça. C'est bien qu'il va voir un psy après. Oui. D'ailleurs, vous pouvez remarquer que y a une carte du monde dans le jeu qui s'affiche à la fin de chaque niveau. Et je trouvais ça très très cool. Et bah, la petite anecdote, y a pas la petite anecdote du fait de que quand tu jouais ceux qui avaient la version cartouche, lorsque l'Exkid terminait le niveau, en fait, ils mangeaient un burger et ne mangeaient pas du riz, non? Ah, c'est l'inverse. C'est d'accord. Donc c'est la version dans la console, intégrée dans la console, où on mange un burger. Oui, c'est ça. Dans la version intégrée à la console, Alex mangeait un hamburger et à la fin du niveau, évidemment. Et dans la version cartouche, il mangeait un onigiri. Donc la boule de riz japonaise que les Japonais adorent manger en accompagnement d'un poulet, par exemple, ou de n'importe quoi. Aussi, on peut voir que à l'instar de la version Mega Drive, donc je reviens souvent sur la version Mega Drive, parce que moi, c'est celle que j'ai fait. Enfin. Le deuxième ou troisième épisode, je sais plus. Et bah, y a pareil que dans l'autre, tu pourrais récupérer. Enfin, Aleskid pouvait évoluer grâce à des véhicules, genre la moto, l'espèce d'hélicoptère pédalo aussi. Exactement quand on retrouvera plus tard, quelques années plus tard, dans le Enchanted Castle. Donc voilà. Yes, et bah aussi, comme la version Mega Drive. La reprise, je suis mort comme une merde. Voilà, bah ça c'est le genre de saut, parce qu'en fait Alex n'est pas très très maniable en fait au niveau de sa maniabilité, il est un peu glissant et tout ça. Donc comme il glisse pas mal, des fois on a du mal à appréhender les sauts. Et par exemple là le saut, ça aurait pu m'arriver bêtement de le rater par exemple, deux fois d'affilée. Mais je l'aurais raté deux fois d'affilée, j'aurais perdu ça se trouve les deux vies uniques, voilà, comme là. J'ai tout simplement glissé et je pouvais rien faire. Et ça, ce qui fait que là, j'ai perdu les deux vies qui me servent à finir le jeu. Donc là, il me reste plus qu'une vie pour terminer le jeu. Et je vais mourir bêtement. Et c'est souvent ce qui arrivait. Et ce qui fait que c'était un jeu qui était très très frustrant. Et quand j'étais petit, j'aimais pas trop ce jeu parce que justement, je le trouvais frustrant. Et aussi, la musique était sympathique, mais et elle te reste toute la journée. Enfin, tu lances une seule partie, t'as le malheur de lancer une seule fois le jeu. La musique, elle te reste en tête. Genre nous là tout à l'heure on l'a lancé enfin pour la capture et le reste de la soirée on l'avait en tête. On est encore en train de la chanter là. Au niveau on va dire des secondes vies du jeu, Alex Kidd in Enchanted Castle, on peut le retrouver dans la compile Mega Drive Collection. Et cet épisode là, en plus de l'épisode Enchanted Castle de Mega Drive, sont disponibles sur le Virtual Console de la Wii. Donc c'est le moment saut de la vidéo. Un petit délire de la. Petit délire de l'esprit qui a fait le montage qui nous met plein de sauts, voilà. Je vous laisse apprécier les sauts. Et voilà, c'est fini, il n'y a plus de sauts. Mais j'avais trouvé ça drôle de mettre des sauts. Parce que je croyais qu'il sautait de manière très stylée, Alex Kidd, quand même. Donc aussi, vous avez pu voir, il y avait des petites features très intéressantes dans le jeu, ce qui permettait en fait, par exemple, de pouvoir recommencer le jeu de manière un peu différente. Là, il y a une caisse dans le premier niveau, où quand on la tape en fait, c'est la caisse qui est juste à ma droite là, il y a un petit fantôme en fait qui sort, et donc si on la tape, le petit fantôme nous suit, et jusqu'à la mort, et une fois qu'il nous touche, on crève. Mais si par exemple là à gauche, vous pouvez voir la petite tête de mort, à gauche vous avez vu une petite tête de mort sur une case, si on la tape en fait ça tue le fantôme, et ce qui fait que plus tard à la fin du niveau, il y aura une autre caisse à péter, et si on la casse, on récupère une vie, mais si on n'avait pas tué le fantôme par avant, il y aurait eu un autre fantôme qui vous tue et qui vous fait perdre une vie. Donc je sais pas si vous avez bien compris, mais il y a plein de petits trucs comme ça à savoir qui fait que ça peut rendre le jeu un peu plus facile. Alors, moi je m'en souviens du scénario de l'épisode Mega Drive où il devait retrouver son père. C'est quoi là le scénario? Je crois qu'il doit sauver sa compagne en fait d'un mec, d'un grand méchant, John Ken je crois, justement le nom du méchant, je crois que c'était John Ken qui fait évidemment référence à la technique qu'il utilise. Mais oui je crois qu'il devait sauver sa nana, mais il n'y avait pas de.
Enfin, il n'y avait pas de truc explicatif au début du jeu. Ça a commencé directement sur l'écran Alex Kidd et start, et voilà, on lance le jeu. Il est pas un peu jeune pour avoir déjà à sauver sa copine? Il a 4 ans, il a déjà une copine? Bah, ça se trouve dans ce monde, il a le mariage est beaucoup plus tôt que chez nous. On peut pas vraiment savoir, mais et puis bon, ça se trouve c'est pas vraiment sa meuf, c'est plutôt genre la meuf de son père qui faisait très bien les spaghettis, et puis bah lui il veut juste la délivrer pour être sympa avec son père, pour avoir un petit jeu quand il rentre. On peut pas trop vraiment savoir le scénario, mais c'est au niveau du scénar, bon, c'est pas le truc qui fait la force du jeu. Voilà, bah là, pour vous pouvez voir, là, il y a le fantôme qui m'a attaqué, et dans la partie d'avant, il y avait eu une vie, parce que justement, j'avais défoncé l'autre petit fantôme. Et ça fait partie des features qui sont vraiment très, très, très fun. Voilà, bon, moi, sinon, bah, c'est un jeu quand même que je vous conseille de jouer, parce qu'il est, c'est intéressant de rejouer au premier Alex Kidd. Il est culte aussi, mais sa difficulté, mais elle le plombe à mort. Il est trop, trop, trop dur. Bon bah ouais, donc voilà, Alex Kidd in Miracle World, bah c'est un jeu sacrément culte hein, quand même. Hein. Donc bah je pense que ça va quand même faire plaisir à certaines personnes qui l'avaient découvert. Donc voilà, et puis comme on nous avait demandé aussi quelquefois de le faire, parce qu'on avait fait, lorsqu'on avait fait la version Mega Drive, on nous avait demandé ah vous pouvez faire aussi la version, enfin le jeu Master System, et bah voilà, c'est fait. Ouais, voilà.